purchase your tracks today. C'est pourquoi j'allais partir. Même quand je vous éduquais là, vous étiez petit, je dormais jusqu'à l'heure si. Non, toi tu étais toujours comme un garçon à 5 heures du matin. Pas. Tu pensais que je dormais alors pourquoi? Pourquoi ça n'a pas l'air d'aller? Tu es sûr que tu as bien dormi? Non, moi je dors toujours bien. Moi je dors toujours bien, justement parce que bon, on ne veut pas. Tu as même déjeuné ce matin avant de partir? Tu as déjeuné? Non, comme je suis un peu pressé là, on a un boulot qu'on doit faire un peu tôt. Non, mais ça ne justifie pas que tu manges chez toi sans manger. Tu es pressé, tu ne manges pas chez toi. Mathieu, il mange souvent. Il ne mange jamais ici. Tout ça part, dès qu'il sort là, c'est au travail qu'il va aller déjeuner. Quand il a tué ici à la maison, c'est réchauffé. Tu vas réchauffer dans ta maison. Parfois. Dis que réchauffer, ça donne les forces. Quelle force? Les œufs qu'il y a là-bas, c'est pour faire quoi? C'est l'ornement. On mange léger le matin, monsieur. Je sais que les œufs en partie c'est pour la salade. Je mange souvent léger, mais en tout cas, je mange. Moi, je t'ai pas vu manger ce matin. Et regarde ton visage là. Tu es bizarre. Tu es sûr que tu as dormi même cette nuit? Tu as des cernes, hein? Tu es très bizarre. Ta nuit, je ne sais même pas comment ta nuit a été. Non, bonne. Tout bonne. Tout, j'ai bien dormi. T'as bien dormi. T'as pas assez dormi dans la maison aussi. Oui. Tu me dis même ça en souriant. Et bien dormi. Si tu ne te... C'est parce que tu dors que je ne suis pas encore grand-mère. Mathieu, c'est tout ça part là-bas. Dormir. Dans la chambre, il n'y a jamais de bruit. Le seul bruit qui sort de la chambre, là, c'est... Laisse-moi. Voilà. Parfois, quand ils ont tué, tu entends... Il ne ment pas, ne le frappe pas. Aucun bruit pendant que je dors, rien. Ce ne sont que les moustiques dans ta maison. Demande-moi que tu vas entendre quel bruit. Ils ne font rien. C'est parce qu'on a insonorisé notre chambre là. Vous insonorisez la chambre quand vous donnez les concerts là-bas. Bon, c'est beaucoup plus elle qui donne souvent les concerts. Comme on ne veut pas déranger le voyage, c'est la rue, le bruit. C'est elle qui donne les concerts. Écoute-toi, comme tu es contentinte, tu es là, tu ne fais rien. Il fallait voir quoi? Il a rien entendu, tu me demandes de voir quoi? En dehors des moustiques qui faisaient la cour là. En fait, je suis un peu comme un spectateur, mais qui vibre. Vraiment. Le jour où j'allais te à la circoncision avec toi, quand tu t'es venu, j'ai su que j'allais avoir tous les problèmes de la terre avec toi. Ma, d'autres là, ça c'est parce que le ministre a eu mal coupé la peau. Il avait mal coupé la peau. L'autre là, non, il a raison. C'est le médecin. C'est tout, tu ne peux pas parler des choses pareilles. C'est un truc, c'est quand tu me coupes, non, il faut mesurer bien les sentiments. Il faut mesurer, là tu parles de mesurer. Quand tu débordes là, tu as... C'est toute ta vie là-bas. C'est même comme ça que ta vie, toi, se résume. C'est pour ça que tu squattes ici. On coupe les centimètres, mesure les centimètres de ta vie. Bon, on va comme vous étiez dans un débat en pleine réunion politique là, bon. Moi, je vais vous laisser alors. Ça, il parle mal. Tu passes alors une bonne journée. La mère. Attends, Maloué, dis. Hier là, non, même un bruit tu ne pouvais pas entendre parce que chaque jour. Hé! Il est parti! Il est déjà parti! Tu es le reporter de sa vie. Quand le mari te passe le compte rendu, non, c'est ça que je fais. Le Congo, ça. Ta part, c'est manger. Va continuer à mâcher tes carottes là-bas. Tu es Bugs Bunny, je ne sais même pas. Crash. Le boss! C'est comment, hein? C'est le règlement, dit. Le règlement dit quoi? Ça a l'air, c'est que tu rates. Donc, comme tu penses que comme on a arraché le règlement intérieur sur le mur là, c'est fini comme ça.
j'avais rendez-vous avec certains clients là. Et moi, t'avais dit quoi? Tu avais dit que quand il est rentré tard, il avait dit que quand tu as rendez-vous avec tes clients et que 16h sonne, j'ai là-bas, dors. Je ne te reçois pas chez moi à plus de 16h. Tu penses que parce que ma belle-mère là, que je vais oublier le règlement de chez moi? Ah, mais c'est pas moi. Moi, je pouvais bien dormir chez les gens. Mais comme peu me dorme aussi chez les gens, tu ne peux pas dormir chez les gens avec les gens. Vous savez, j'ai laissé les gens dormir chez les gens et rentrer dormir chez les gens. Pas de l'association de dormir dehors. Non, pour faire l'association là, il faut faire les papiers. Et pour faire les papiers là, il faut l'argent. Donc je te parle, tu me réponds. Chez moi. Il te dit ce que tu veux. Tu viens me manquer de respect chez moi. Non, c'est pas le manque de respect. Je te dis ce que tu vas entendre. C'est toi qui bavardes. Le verre, c'est pas toi qui as déposé ça le matin. Non, en fait, ça c'est le reste de l'eau, c'est pas moi. T'as d'abord fait comment pour craquer sur ma cuisine? Je ne suis pas en train. Qui t'a donné l'autorisation? J'ai vu l'eau sur la table, c'est même vu. Qui t'a donné l'autorisation d'entrer dans ma cuisine? Je ne suis pas entré là-bas. Sachant que comme ma belle-mère là, et tu joues au boss, quand elle va partir, tu la suis. Parce que si elle part, elle te laisse ici. Je suis pas sûr que tu vas vivre 2 jours après. La mère quoi là? Elle a fallu là-bas dans la chambre. Ah, ok. La mère! La mère, oh! La mère! Oh, rigole! Par rapport, non? Par eux! La mère! La mère! J'ai dit, hein, madame? Tu fais le ménage avec la bouche attachée comme ça, comme le paquet de sucre. Dans ta cuisine. Et oui, madame. Et ça, c'est quel accoutrement, c'est quel habillement, ça? Mais c'est laid. Si tu as l'habitude de travailler comme ça, c'est laid. Regarde-toi. Hein? Tu portes, tu enroules le pain comme ça, ma fille. Tu danses la sico. Et avec le gros, tu fais quoi avec le gros short de Ngando Piquet aux fesses, ma fille? Il t'a dit qu'il aimait que tu t'habilles comme ça. Ou bien il n'a pas de choix. Alors si ma fille. Tu devais porter, tu dois être sensuel. Tu devais porter des petites robes transparentes avec les ficelles là. Tu devais donner envie à ton mari à chaque instant de te prendre. Tu dois être sexy, tu dois faire le ménage même en chantonnant. Tu dois dégager de la sensualité. Là, tu dégages la vieillerie, ma fille. Tu as 60 ans, ma fille. Moi, à ton âge, j'ai pivoté sur les talons. 15 cm, 16 cm. Je ne blaguais pas. Tu dois porter les petites culottes là. C'est comme ça que tu dois faire le ménage chez toi quand ton mari est là. Hein? Tu es là avec le pain, tu attaches la bouche comme ça. Ton mari même est sorti le matin, nerveux. Tu ne l'as pas encore. Tu n'as pas fait de déjeuner à ton mari. Donc tu laisses ton mari partir au travail affamé. Un enfant affamé, un proverbe de chez moi dit qu'un enfant affamé ira chercher à manger chez une autre maman. Et la maman là, lui donnera bien à manger. Je sais que je parle à une grande fille. Tu devais l'accompagner jusqu'à la porte, lui donner des bises. Bonne journée mon chéri. C'est comme ça. Est-ce qu'elle n'est pas à moi? Il va aimer que tu l'accompagnes comment quand tu ressembles à une vieille femme. Il se lève, il va au travail, toi tu restes affalé et t'allais dans la chambre comme une pâte à pizza. Tu n'accompagnes pas ton mari. Je ne veux pas entendre après que oh maman, Excalibur est monté, Excalibur est descendu. Parce que vous dites que vous êtes dans les mariages Android. Une petite m'a fait le up-eye dehors. Elles font les up-eye parce qu'elles connaissent. Ce n'est pas le marabout. Aucun alarmez-vous. C'est ce que je te conseille là. Si tu me dis que la maman d'Escalibur bavarde beaucoup, mais je t'ai donné les conseils. Si tu veux comprendre, si tu veux ne comprends pas, si tu veux entendre, si tu veux ne m'entends pas, Gauthier a parlé.
Excalibur M. Hey. Patron, moi voici où. Tu as dit que tu voulais qu'on pose des hommes. Tu m'as dit que viens, on sort, on part, on part. Moi, je pensais même qu'on partait au bail. Patron. Quand tu me dis, ah, tu suis moi, moi, je sais que je te suis pour aller où. Est-ce que deux hommes partent aux toilettes? Au bar. Tu sais ce que je veux dire, bar? Bar, non. Bouteille agréable à. Agréable. Bouteille agréable. Buvons, arrêtons et rentrons. Voilà! Allons boire, on arrête et on rentre. Toi, quand on commence, tu n'arrêtes pas. C'est ça le problème. Bref, c'est pas pour ça que j'ai appelé. C'est parce que là, je suis assez perdu en fait. Je ne peux même pas dire perdu là. Je suis un peu énervé. C'est vrai que mon degré d'énervement n'a pas encore atteint son paroxysme. Patron dit ça derrière à un employé là que non, que ton énervement est au paroxysme, ce n'est pas bon. Paroxysme, moi aussi. Ça va, j'ai compris. Quand je dis souvent que les antonymes et les paroxysmes là. Ah non, c'était paronyme. Bon, bref, en fait, c'est par rapport à la situation que tu as comme ma mère là. Déjà, elle est arrivée, elle n'a pas prévenu là. Elle a débarqué, c'est moi comme Hiroshima. Je vois Jan. Ma mère qui est calme, mais. Jan qui est. Toujours. Tu vois que ça fait. Ça fait des points, points. Comme si c'était un combat de boxe, oui. Ouais. Et donc, ça fait que dans ma tête, là, c'est. Je sais pas, c'est comme si on gagne en train de bagarrer avec quelqu'un. Et tout. Ça fait tout m'énerve parce que quand ma mère fait ça, elle met ma femme mal à l'aise. Et moi, je ne sais pas, je me disais qu'après le mariage, tu vois, elle a accepté Jan parce que, gars, ma mère c'est tout. C'est mon Dieu sur terre actuellement, c'est là donc. Si mes oncles veulent. Il y a aussi le père. Le père aussi. Le père, c'est bien chercher quoi, c'est là. Bon, je disais, non. Bah, disons, ça c'est les restes d'hier. C'est machin que quand même dans la sorcellerie, on veut pas. C'est seulement parce que c'est ma soeur. Tu as vu, regarde, bon, tu as vu mon montant. C'est seulement que mon père était trop fort. Il n'avait plus un peu le temps de ma mère. Le père, c'est honte. Non, moi-même j'ai deux. On doute. On doute de quoi? Il a patenté mon père sur. Ah oui. Comme elle est couchée à la crème, toi tu es blanc là. Voilà. Moi comme quoi avec les deux. Bref, c'est en fait. Mais moi je veux te dire un truc, Excalibur. Excuse-moi, c'est que ta mère c'est aussi ma mère. Parce qu'elle m'a tellement tapé. Bon, je ne veux pas beaucoup. Surtout quand tu me vois même d'abord, je ressemble beaucoup plus à Lopez qu'à toi. Je voulais seulement te dire que ta mère est dans ton foyer. Laisse tomber. C'est-à-dire que baisse les bras, oublie. Tu ne peux pas mettre ton doigt entre ta mère et ta femme. C'est impossible. C'est un combat que tu as perdu et les deux ont gagné. Je ne comprends pas. Je laisse tomber. Déjà. Je fuis la maison. Je pars ailleurs. Non, je change de nationalité. Non. Si tu fuis, c'est que moi-même, je vais fuir. Je vais rester où? Dis ça, alors. Explique. Laisse tomber. Non. Ta mère, hein? Ta femme, comme vous êtes mariée là, non? Ce n'est pas ta femme. C'est la femme de ta mère. En disant que. Si tu t'es marié, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ta mère. Il va l'inveler, nous dire. Non, ce n'est pas ça. Comment? Pourquoi? C'est vrai que ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que ma mère, gars, ce qu'elle est en train de faire subir à Diane, là, moi, je n'apprécie pas. Moi, chaque jour, elle est en train de me rappeler, c'est pas une bonne femme, elle fait ceci, elle, c'est vrai, elle est laide. Bon, ça, c'est faux. Non, pas totalement. Pas totalement. Bon, elle est belle un peu. Bref, je m'en fous de ça. Moi, je n'apprécie pas. Et du coup, je ne peux pas gronder ma mère, je ne peux pas. Du coup, je suis entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire quoi, quand tu marteau et l'enclume? Je ne sais pas, mais ça, c'est un dieu. Bref, je n'aime pas. Je ne sais pas comment il veut réagir. Je me disais que toi, tu peux me donner un peu le conseil. Ah, si moi, j'ai un conseil à te donner, c'est comme je t'ai dit là. Laisse le temps au temps de faire son temps. Tu sais que ta mère, d'abord, elle va se fatiguer. Là. Elle ne va pas rester ici éternellement. Si quelque temps, tu vas voir, elle va s'ennuyer. Elle va dire que oh, ses champs manquent. Oh, sa maison, elle s'ennuie déjà. Attention, mais quand elle va te dire qu'elle parle,
il faut garder au moins 200 000. Tu connais les mamans, non? Oh, achète-moi le bunga. Oh, fais-moi le marché. Je veux des talons. Et ta mère, comme il la connaît, elle est capable de dire qu'elle veut les collants. Même comme il sait qu'elle va porter ça au cou. Mais, garde quand même les 200 000. Ouais, il n'apprécie pas beaucoup. Tu veux, tu n'apprécies pas, non? Bon, finalement, alors, on part au bar ou bien on laisse. Parce que tu as dit qu'on sortait pour partir, que ah, tu suis moi. Quand tu me dis que ah, tu suis moi, moi je dis que forcément tu vas entrer dans un bar. Bon, bon, bah, je... Non, pas pour bar. Quand tu me fais marcher. Bon, bah, allons, allons, et puis suis. Pardon. Pardon. Diane. Jou. Il dit que j'avais. Il y avait une enveloppe sur la commode là. Il y avait une enveloppe, une petite enveloppe kaki comme ça là. Ça avait les. Bon, à l'intérieur, il y avait les coupons. Bon, ça concernait mon boulot. C'est mon patron qui m'a donné ça pour que demain, je gère ça. Il sait pas. Tu as pas vu ça? Tu me demandes, je suis ton assistante. Ok. Donc, c'est quand tu payes quelque chose que tu connais que en dehors de ta mère, il y a une autre personne dans cette maison. Ah. Depuis que ta mère là. C'est des volets. Maman, quand ma mère. Aïe, quand ma mère parle, tu sens que. Tu es fier quand on me frasse. Okay. Tu es fier quand on me fuscre. Tu es fier quand on me parle mal. C'est-à-dire, il faudrait toujours que ta mère dise. Ou bien ta. C'est que non, vraiment, notre frère, notre fils aurait dû trouver mieux. Oh, comment tu es beau. Oh. J'ai dit, tu penses que si ma famille s'assoit dans le foyer ici, on va s'en sortir? Depuis que nous sommes mariés, tu as vu ma mère ici? Non. Quand ma soeur vient ici, elle ne te respecte pas. Elle te parle mal. Ça, c'est quand on bloque, c'est ma mère. Ma mère nous a déjà coaché ici là pour avoir les enfants. Parce qu'elle se dit que c'est Dieu qui donne les enfants. Oui, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand ma mère vient chez nous, elle te fuse. Non. Sache donc que, comme tu es bébé au lait là, tu t'es marié sans grandir, on va pas s'en sortir. D'où? Parce que comme ta famille me met mal à l'aise là, je vais amplifier aussi ça dans ma famille. On va voir si le championnat là qui va gagner ça. D'où? Baby, calm down. Calm down, my little beautiful wife. D'où? Regarde, je sais que non, tu es là. C'est-à-dire tu subis beaucoup de pression et tout. C'est ma mère. Ce n'est pas comme si je ne veux pas aussi te. Tu vois, j'essaie, tu vois, tu vois comment j'essaie un peu de te défendre. Dame, moquerie. Non, est-ce que je me moque de toi? C'est seulement comme bon, c'est ma mère. Bon, toi-même, est-ce que tu peux gronder ta mère? Ou bien est-ce que tu peux mal parler à ta mère? Ou est-ce que tu peux lever la main? Tu peux raisonner quand même ta mère parce que tu es déjà un adulte. Oui. Tu dis à ta mère que non, je me suis déjà mariée. Il y a certaines choses que je peux faire, je peux prendre certaines décisions et j'assume. Yes. It's what I want to do. And I will do it because you are my wife. Calme-toi, mon bébé d'amour. Tu vois, non? Je vais gérer ça avec maman. C'est que bon, comme c'est la première fois qu'elle arrive depuis qu'on s'est marié, parce que moi aussi, je voulais voir un peu sa tangente. Je voulais voir un peu où est-ce qu'elle va tanger. Tu vois, non? Maintenant que j'ai vu, now I've seen, yes. Elle va te chiffrer avec ton anglais là. Ça va, alors, ça va. Calme-toi. Bon, pour que la bonne humeur revienne, tu sais qu'elle va partir tout à l'heure, non? Et pas aujourd'hui. Et pas aujourd'hui. En fait, comme j'étais au boulot, elle m'a appelé pour me dire que, bon, voilà, il faut déjà que je rentre. Ou elle me racontait même pas. Moi, tout ce qui est cahier d'avance, c'est qu'il faut déjà que je rentre. Donc, c'est tout ce que j'ai retenu. J'ai dit que oui, maman, tu dis que tu pars à quelle heure. Bon, elle m'a dit qu'elle part à quelle heure. Ouais, elle a dit qu'elle part aussi à 17h ou c'est. Bref, comme je suis rentré là, non. Il va essayer seulement sur moi. On l'accompagne. Elle est partie où c'est fait, c'est où c'est fait, quoi, oui, c'est pas. Le sourire. Non, parce que c'est le respect. Je te dis, je n'ai pas envie de mal parler à ta mère parce que j'ai une mère. Donc, ta famille ne se dise pas que c'est... Tu as une mère. Tu as une chimère ou tu as une... Non, tu as une mère. Zo. Yon. Yeah. Ça va, non? Tu es calme, alors, non? Deux, fais le petit bisou, alors. Deux. Bon, tu n'as pas. Tu as dit que mon enveloppe là c'est où? Tu as vu ça?
Tu es là-bas dans la chambre, soulève le matelas, c'est sous le lit. Je vais seulement cacher ça parce que je voulais que tu me parles. Iki, la baiser, allez, chose. Ça n'a pas pris la moitié, sinon. Non, pas du tout. Ça va alors. Bon, tu veux aussi aller te laver, on va aller accompagner maman. Vite, vite, vite. C'est la fête. Ça va et toi? Ah, maman, je suis là, non? Je suis là. Ça se voit que tu es dans ton élément, hein? Je suis chez mon fils, c'est normal que ça aille bien. Non, ça se voit, ma tête. Il te manque seulement une petite chinda que tu vas envoyer là. Que monte, il monte, descend et descend. Le peuple a évolué, mon fils. Un peu comme ça. Okay. En parlant même d'époque là, tu te rappelles quand on était petit, quand tu disais que Escalibi et moi nous sommes tes enfants là. Même quand tu faisais souvent que oh, on remet les bulletins, ma mère m'a tapé, tu me tapes encore. Ça n'a servi à rien vu le résultat aujourd'hui. Vraiment. Mathéo, il dit que tu vas encore du jouer cela ou bien tu pars déjà? Tu voulais me chasser? Non, ma tête, tu chassais comment? Quand tu es là, moi je respire, mais c'est quand tu es là comme ça que je respire. Si tu pouvais même rester 2 ans encore. Non, je suis là en train de partir. Donc tu vas rentrer aujourd'hui là, ma tête? Ma tête, avant de rentrer, non, je voulais profiter. Comme ici, il n'y a personne là. Je voulais te dire que comme tu nous aidais quand on était petit là, non, je voulais que tu fasses encore la même chose aujourd'hui. Une dernière fois, un petit effort comme ça. Parce que Escalibri m'a dit, et moi-même j'ai vu, il m'a fait comprendre que tu as beaucoup aidé dans sa vie, que sa situation aujourd'hui c'est grâce à toi. Je voulais la même chose que tu. Je vais t'aider. Tu veux chercher un prêtre exorciste. Bon, c'est vrai quand même que l'aide c'est l'aide. Mais comment as-tu commencé seulement avec les prêtres? Bien sûr, c'est le physique, c'est le spirituel qui prend sur le physique. Même les personnes physiques que tu vas rencontrer là, je veux que tu fasses les mêmes choses parce que tu sais que tu es d'abord une belle femme. Tu es très jolie, très sexy là. Je sais que si tu as rencontré les personnes importantes, c'est que forcément ta rayonnance et ta splendeur ont beaucoup aidé. Même le prêtre exorciste là, ça sera pas un petit prêtre. Ça sera un grand prêtre exorciste. Tu vois mon fils. En tout cas, l'aide, c'est l'aide, non? Parce que quand moi, je te demande qu'il faut quelqu'un, quand tu parles seulement de prêtre. Ah, papa! Tu m'as dit, tu m'as aidé. Je m'aide pas, tu m'as aidé. La mère de qui? Pourquoi tu souris beaucoup? Non, ma. Tu es content qu'elle parte? Non, pas du tout. Moi, je suis très fière de t'avoir à mes côtés. On pouvait même dormir dans la même chambre, moi, ça n'allait même pas me déranger. Juste que tu fasses un bon voyage. Que le Seigneur t'accompagne. Amen. Double amen. La prochaine fois, je vais venir ici, c'est pour porter l'enfant. Oui. Quoi? Marie. Oui. La prochaine fois que je viens, c'est pour porter l'enfant. On parle à toi. Tu penses qu'elle va faire l'enfant là seule? Je ne peux pas boire ça. Je viens porter parce que l'enfant que tu vas accoucher là, ce sera mon bonbon. Aïe. Tu pourrais être dédouané si ce sont les jumeaux. Mais si ce sont les jumeaux, les deux vont porter mon nom. Donc la prochaine fois où je viens ici, c'est pour te masser avec l'eau chaude. Le balai, mets le balai. Porter! Et toi, j'espère que tu m'as entendu. Tu penses qu'elle va faire l'enfant là seule? Un homme besogne! Pas ce que j'ai vu dans la chambre là. Non, je veux besogner. Il a dit besogner. Il faut me prouver que je n'ai pas payé ta circoncision chère pour rien. Moi, je veux besogner. Et l'argent que. J'espère que tu vas m'envoyer l'argent dans une semaine. Comme tu as dit. Non, moi j'ai compris. Donc, en tout cas, avant les une semaine quand même, mais j'espère que ce que je t'ai envoyé là, ce que je t'ai donné là, tu vois, non, ça va. Ça peut faire quelque chose déjà, non? On va quand même essayer de faire quelque chose, mais dans une semaine, moi j'attends l'argent. Oui, la mère de qui? Et Nel Cruz aussi. Aïe. Pour sa soutenance.
Donc quand tu vas envoyer l'argent là dans une semaine, tu envoies avec l'argent de Nel Cruz. Oui, oui, non, pour Nel, je vais envoyer. Je vais envoyer et il y a aussi l'enfant de ta soeur. Ah, il yeah. Faut payer l'école. C'est ce que je t'ai dit, Nel. Non. Il faut payer l'école. Tu ne souris plus, pourquoi? Je souris, ma. Si tu dis ok, je dis ok. Oui, s'il oublie, tu lui rappelles ça. Comme ça que je parle en ta présence. Oui, je suis sa secrétaire matrimoniale. Voilà, je pardonne. Yeah, la meilleure idée! Maman, j'espère que les gens là n'ont pas fini de changer les cars là-bas. En tout cas, même si j'arrive, il n'y a même pas de place. Marché, vous ne voulez que m'accompagne? C'est nous. C'est nous les accompagnateurs. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bienvenue, votre Altesse Royale! Votre divinité, notre roi, notre empereur, notre empéresse. Ah, mais Yudou! Le chouchou de sa mère, mon volet, le volet de sa famille. Tu as dit que quand je vois Père Naïe, je sens que la présence de ma mère, a eu un impact. Ça a impacté. Oui, malgré les insultes, les énervements, les provocations, la sorcellerie, la malbouche et tout ça. Ça a impacté. Je t'ai dit que c'était un bon petit temps. Elle est partie, non? Elle est partie. Maintenant, on va rester. Tu vois, dans ton cas, par exemple, ici, par exemple, on va dire que après la pluie, vient le beau temps. Donc la pluie, c'était ma mère. Maintenant, le beau temps, it's me. Ça, c'est selon toi. C'est selon toi que après la pluie, c'est le beau temps. Oui. Mais selon moi, je vais dire que après le beau temps, vient le torrent.